l'état de ses émissions, nous présentons aujourd'hui une technique ancestrale, la peinture à l'hydrogène. Alors, bon, pour les ignares et autres barbares qui ne connaissent pas cette technique, je vous la présente bien évidemment, c'est mon rôle, la technique de la peinture à l'hydrogène. Cette technique antique nécessite de la peinture, de l'huile, de la peinture d'huile évidemment, et de l'hydrogène. Alors, pour commencer, nous avons donc une toile sur un chevalet, il nous faut trouver une idée. Comme personnellement, je n'en ai pas beaucoup, j'ai pris l'idée d'un autre, et j'ai pris l'idée de monsieur Degas. Degas. Non, mais il est tout seul. Hein. Non, parce que. Non, suivez un petit peu là. Non, mais oui, d'accord, c'est pour les ignares. Mais enfin, bon, Degas, c'est son nom. Degas. C'est le nom de ce monsieur, le peintre, appelé impressionniste. Parce que Degas, il est très impressionnant. Donc, on va l'appeler l'impressionniste. Hein. Voilà. Donc, il a fait ce tableau, hein, nous allons vous le présenter plus précisément, qui s'appelle l'Hyacinthe, et qui, en fait, Donc, un couple qui prend. Enfin, qui boit. Enfin, de buveur, vous voyez un petit peu la déchéance, l'isolement, la déchéance de ce couple. Hein, voilà. Hein. Donc, nous allons. Représenter ce tableau suivant la technique dont nous avons parlé, la technique de la peinture. Peinture. Ah, l'hydrogène. Donc pour commencer, allez, on commence tout de suite. Alors, directement dans ce sujet, nous allons donc commencer par peindre. Enfin, oui, par peindre, par. Il faut se lancer, quoi, il faut se lancer. Donc, première chose, eh bien, il faut commencer à se mettre. Hein. Alors. Voilà. La première chose à faire, peut-être de reporter. C'est un magistrat hein, de la déchéance humaine par l'absinthe, une substance absolument une image absolument déplorable, qui a amené une déchéance sociale terrible sur le lit. Donc, voilà, l'affaire, reporter cette chaleur sur la toile. Donc, technique, un fil, vous commencez par déchirer le noir, hein, vous prenez la feuille, et voilà, la technique, pour moi, intelligente, vous crayonnez le noir derrière, vous posez la feuille sur le tableau. Et vous reproduisez, hein, et donc ça va imprimer hein, avec le noir derrière, ça va imprimer sur le. Voilà. Bien. Donc, ça, je pousse un petit peu le matériel, voilà. Donc, il faut créer d'abord. Thank you.
là, il faut le sécher. Si il sécher quelques temps, hein, attends, disons, 5 minutes à livrette, hein, en gros, ouais, la nuit, quoi. Et donc, il faut laisser sécher pour la nuit, et après, on va revenir dessus, et revenir encore, et voilà. À demain matin, pour la suite de notre émission culturelle, la peinture à l'huile à la planète d'Ormère. Bon, voilà, alors, j'en ai pas pour la deuxième épisode, comme promis, la nuit passée. Bon, on va être sec. Voilà. Donc là, la peinture affichée, hein, bon, ça assèche, hein, ça sèche et ça assèche. Donc là, matin, bah, il faut commencer doucement, hein, voilà. Ouais, justement parce que voilà. Donc aujourd'hui, on va mettre la deuxième couche. Hein, la deuxième couche de peinture pour encrouter, embourber, hein, la toile. Toujours en référence au génie du gars. Hein, du gars. Du travail avec l'homme. Bon, allez, parti. Voilà. Aussi technique, hein, le principe du chevalet, un ancien chevalet que j'ai fabriqué qui est orientable, ça permet de pouvoir travailler sans qu'on ait à se contorsionner, hein. Et puis surtout, ça se lève pas très facilement, hein. Il suffit d'appuyer sur le bouton, et voilà, donc là, ce qui m'a fait là-dessus, hop, ça se lève tout seul, c'est génial, hein. Ça, c'est parce que quand on est fatigué, c'est bien, mais aussi, ce qui est bien, c'est ça se descend tout seul, ça, c'est bien aussi, hein, il y a les deux, hein. Voilà. Donc là, on aura une, pour être à la bonne hauteur, voilà, et on va embourber, hein, commencer doucement,
D'ailleurs, complètement délabré de ces personnes qui ont pris des produits, de l'alcool. Voilà. C'est un tableau qui a été vite commandé par le ministère de. C'est un tableau qui a été commandé par le gars, par Aduga, par le ministère de la République. Enfin, il fallait quand même mettre en garde les gens d'époque de la dégradation causée par l'absorption d'un produit toxique, en fait, hein, comme l'absinthe, qui, enfin voilà, c'était là. Donc la technique de la fin de la journée, hein, c'est terminé. Voilà. On a passé ensemble quelques instants, là. C'est terminé. Voilà. On finit. Donc, dans le cadre de l'éducation des classes laborieuses, nous aborderons demain le cri de Munch aux acides. Voilà. Et puis la semaine prochaine, bien sûr, dans le cadre de l'éducation des masses laborieuses et des jeunes aux techniques ancestrales, nous aborderons le dernier point, le dernier gros point de ce documentaire, à savoir la joconde à l'héroïne. Santé.